Si en début d'année, la chanteuse Lio a eu le bonheur de devenir grand-mère, puisque son fils Igor et sa femme ont donné naissance à un petit bébé. C'est vraiment la joie pour le moment. Je me demande surtout où je vais le recevoir. Je resterai peut-être ce que je suis, une grand-mère nomade. Se réjouissait-elle? Une éclaircie dans un ciel assombri, en croire la suite de ses propos. En effet, la star française des années 80 tenait un discours beaucoup moins joyeux dans la suite de son entretien qu'elle donnait il y a quelques semaines, notamment lorsqu'elle évoquait sa situation au niveau financier. Lio regrettant le fait qu'elle ne savait pas gérer son argent. Je ne vis pas mal, mais je vis à flux tendu. Je n'ai pas de trésorerie. Je ne me suis jamais occupé de tout ça, avouait-elle avant d'ajouter. Quand je gagnais bien ma vie, d'autres personnes géraient cet aspect-là. Moi, j'ai toujours vécu dans une valise. Je ne suis jamais resté plus de 3 ans au même endroit. Aujourd'hui, je n'ai même pas un lieu réellement à moi. Un train de vie qui peut convenir à certaines personnes, et notamment Lio. Toutefois, ce rythme semble l'avoir un petit peu lassé. Je suis une nomade avec tout ce que cela implique. Surtout quand, comme moi, on n'a plus 20 ans. C'est sans doute pourquoi je me sens fragile. Je n'ai pas d'ancrage, je suis très inquiète. Je suis une femme inquiète, heureusement. Celle qui est donc récemment devenue grand-mère est toujours présente sur la scène artistique. Preuve en est avec le téléfilm « Elle m'a sauvée » dans lequel elle interprète une avocate et qui a été tournée encore tout récemment. Comme quoi, Lio reste malgré tout encore à la page, même si sa situation financière est de plus en plus précaire.